que je produis, c'est une séance de force. Et donc je tourne les jambes environ entre 50 et 60 tours minutes de moyenne. Le but, c'est de faire vraiment le coup de pédale poussé-tiré qu'on peut avoir dans l'école. C'est aussi d'être gainé et de vraiment pousser et tirer sur les jambes. C'est vraiment un travail aussi sur la répétition. Je fais 6 séries, fois 2, donc ça me fait 12 fois la bosse à monter en force. Je fais toujours les 30 premières secondes debout. Déjà là, j'ai bien mal aux jambes parce que je pousse un peu plus la vitesse. Et ensuite, je me rassois pour faire 3 minutes environ, 3 minutes 30 assis. La sensation de mal aux jambes, on l'a pas forcément tout de suite. À peu près au replat, c'est là où je commence vraiment à sentir les jambes, mais il y a vraiment la dernière partie où c'est pentu et que ça tire bien. On sent que le cœur il monte forcément, on sent vraiment plus la douleur aux jambes. Et c'est vraiment à basse cadence, donc c'est vraiment la fibre qui travaille. Moi, ce que j'aime bien, c'est les 500 derniers mètres. Je me pose pas forcément de questions et je mets un peu plus de braquet. J'aime bien finir les 15-20 dernières secondes, vraiment, vraiment avec une grosse douleur aux jambes pour sentir que j'ai bien bossé.